La chanson qui suit, c'est important de le préciser, s'adresse à un individu et non pas à un groupe d'individus, puisque c'est une chanson qui parle d'un vigile. Je ne pourrais pas avoir de problème avec ce genre de personne. C'est une chanson qui requiert une position un peu particulière et une tête de con. Jambes écartées d'une bonne largeur d'épaule, cheveux gominés qui coiffent une grosse tête pleine de vide. Main sur les hanches, il maîtrise parfaitement son rôle, celui du vigile abruti et psychorigide. Menton bien droit, le regard hautain et glacial, son modèle c'est les sphinx qui gardaient les pyramides, dont lui, il garde le centre commercial. Y'a pas de sous-métier, mais y'a pas de quoi jouer les caïds. Il pense qu'on est mort de trouille comme Sarah Connor, le Terminator de l'escalator. Il nous fixe, il nous suspecte et fait le beau devant les filles seules. Il pense que tout le monde le respecte, alors qu'on se fout de sa gueule. Pour se bomber, ça tue du froc serré à fond. Il y a même une rumeur qui prétend que sous ses aisselles, il bergerait deux ou trois petits hérissons. Tellement il écarte les bras en marchant dans les demoiselles. Sur son badge, son prénom en lettres d'or, et personne n'a osé s'approcher de lui pour le lire. Et du coup, on l'appelle tous Terminator. C'est pas bien méchant, mais jurez-moi de jamais lui dire. Car je prétends pas que la musculation rend débile. Non, je dis seulement que les cons ne devraient pas en faire. Car le cul incrustacé dans le corps musclé d'un vigile, ça peut devenir dangereux quand on a des cons à faire. Car s'il voit qu'on se fout de lui ou qu'on l'appelle encore le Terminator de l'escalator, il peut se mettre en colère et tourner pas tes frissons. Décider de se calmer,